Alors aujourd'hui, on va ouvrir le coffret Nymphalie. À la base, je devais être toute seule pour cette vidéo, mais finalement... J'ai décidé de la rejoindre car c'est un petit coffret qui est vraiment sympa. Et puis, vu que je comptais pas l'ouvrir sur ma chaîne, je me suis dit que ça pouvait être vraiment agréable qu'on le fasse à deux sur la tienne. Voilà. Et à la base, il devait pas sortir en français, donc nous, on collectionne pas l'anglais, alors... On a eu de la chance qu'il sorte en français. Ouais, on a vraiment eu de la chance parce qu'il est très beau. J'ai hésité à l'acheter en anglais et finalement, je me suis dit non... Ça sert à rien parce que je collectionne pas l'anglais et au final j'aurais pas été vraiment super contente. Alors, qu'avons-nous dans ce coffret? Puis en plus, c'est la première fois qu'on va avoir toutes les évolutions d'Evoli dans un même pack. Oui, d'ailleurs ils le disent là parce que je peux pas présenter tout le coffret, il est vachement grand. Alors, deux boosters de la série noir et blanc, ils disent noir et blanc alors que c'est des boosters XY. Hein, ouais, petite faute quand même. Ils se sont trompés. Hein. Nymphalie est toute en majuscule les évolutions d'Evoli. Donc super, donc voilà, elles sont toutes ici, c'est la palette de couleurs. Moi, j'ai hâte qu'on les sorte de leur... Une carte énergie de type fée. Oui, donc, elle est ici. À voilà. Noter qu'on a enlevé le plastique avant parce que c'est tellement galère qu'on voulait pas trop l'enlever pendant la vidéo. Bah, en fait, on en a déjà ouvert un à côté. Tout à l'heure. Donc, oui. C'est le deuxième qu'on va ouvrir. Et disons que c'est vrai que le plastique est très difficile à retirer. Du coup, on a prévu le coup. Voilà. Pour la vidéo, finalement, on l'a découvert un petit peu comme ça. Mais on était tellement fans qu'on en a pris un deuxième. Allez, montre-leur ce qu'il y a dedans, je pense qu'ils ont hâte de... Alors, les boosters XY, la carte de type fée, la carte promo de Nymphalie qu'on verra mieux tout à l'heure, et la palette de couleurs, donc j'appelle ça comme ça, de toutes les évolutions d'Evoli. Donc ça devrait pouvoir s'ouvrir sur le côté. Pendant ce temps-là, Pikachu vous fait un petit coucou, hein. J'ai été le chercher dans la vitrine, mais elle n'était pas d'accord à la base. Non. Dites-lui qu'il est joli dans les commentaires, vous verrez. Bah, il est joli, mais attends, tu peux mettre ça à côté, s'il te plaît. Oui. Je vois à quoi je sers, en fait. Non. il est... C'est vrai qu'il est très joli, c'est mon Pikachu. Mais je voulais pas... je voulais le laisser dans sa vitrine pour pas qu'il s'abîme, en fait. Attends, je vais t'aider. Alors, attends, je vais... Non, je vais présenter ça d'abord. Bon, moi, je sors ça. Alors, donc, le super Nymphalie holographique avec la carte. Donc, en fait, la petite subtilité, c'est qu'il faut le retirer. C'est plus pratique quand on a quatre mains, tu vois. Moi, je sors les boosters et non, toi, non, tu non. sors... Non. Non, je rigole, vas-y, tu peux. Ah, ouais. Alors, la carte de type fée, je disais. Voilà, mais bon, ça, on les a déjà découvert dans les boosters XY. Et la carte promotionnelle de Nymphalie. Voilà, vraiment très très jolie, on la reverra tout à l'heure. Tiens, je te passe les cartes d'Evoli. Super. Par contre, il n'y avait pas de booster XY, hein. Je ne sais pas du tout où ils sont passés. Bon, donne-moi ceci. Il n'y en avait pas, je te dis. Dépêche-toi. Merci. Laisse-en moi au moins un. Non. Alors, le booster Xerneas. Bon, moi, je pars avec Pikachu. Et un méga Tortank. Super joli. On va les mettre de côté. Tu ne les piques pas. Et voilà. Et puis, on va commencer ça tout de suite par le Givrali holographique. Qui est vraiment très très joli. Tiens, t'as remarqué, il y a écrit BW en bas de la carte, alors que c'est des promos qui sont dans un pack XY. Oui, il y a écrit BW, oui, c'est vrai, c'est comme Black and White pour le bloc noir et blanc. C'est assez bizarre. Mais c'est bizarre parce que ça sort avec des boosters XY, donc ça devrait appartenir maintenant avec des promos XY. C'est la BW 90, effectivement. Ce sont toutes des cartes promos. Bon, ouais. Voilà. Le Givrali est très très joli. Bon, c'est pas mon préféré. Non, moi j'avoue par contre que le Filali me fait vraiment plaisir. Elle est très belle, je trouve. Ouais, cette carte est vraiment magnifique. Puis même le Pokémon, hein, c'est un Pokémon vachement sympa. Et ouais. Je crois que c'est un Pokémon qui sert l'énergie du soleil. Je crois d'ailleurs. Assistance énergétique bah, dans oui, ses attaques. Ça. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà, le fond est très sympa. Hein. Franchement. Moi, autant on n'était pas fan des petits mosaïques sur le Voltali et l'Evoli, on verra ça plus tard. Autant il y en a, c'est vraiment super beau. Comme par exemple Noctali, où je suis vraiment très très fan. Là, c'est super. Moi, je suis moins fan, tu vois, déjà de l'arrière-plan, en fait. Je trouve qu'ils ont fait un... C'est un peu spécial, je trouve, les arrière-plans derrière les Evoli. Enfin, les évolutions d'Evoli. Bah, je sais pas. Moi, je suis assez fan des petites étoiles et des croissants de lune. Je l'adore, avec la petite patte qui gratte comme ça, c'est trop mignon. J'adore. Il est joli, c'est vrai. C'est trop mignon, ça lui fait son petit côté bestial et tout, j'aime beaucoup. Ensuite, on a un petit Mantali.
Et tu te calmes. Ouais, je peux aussi... C'est ma présentation. Ouais, mais je peux t'aider. Oui. Ensuite, on a un Mentally, donc. Là, je suis un peu moins fan du fond, je vous dirais. C'est... Bon, c'est sympa, mais moins fan du fond et de la pose. Ensuite, on poursuit avec ton préféré, le Firoli. On se demande pourquoi. Hein. Hop, on va voir ça délicatement. De toute façon, moi, les Pokémon Feu, j'ai toujours adoré ça. Ouais, le fond, là, il est vraiment sympa. Très, très joli. Bon, il nous reste encore quand même 3 évolutions. Ensuite, on passe au Voltali. Plutôt 3 cartes. J'adore le type électrique. Donc, c'est pour ça que j'hésitais beaucoup entre le Noctali et le... On savait pas du tout que tu adorais le type électrique. C'est pas parce que j'aime Pikachu que j'aime forcément le type électrique. Alors, Voltali, donc, je disais. Donc là, je suis moins fan du fond, du coup, c'est un effet un petit peu mosaïque. Mais voilà, c'est quand même très très sympa, j'adore ce Pokémon. Donc, petit coucou à Volt, au passage. Laisse-moi sortir le Evoli pendant que tu présentes le Aqualie. Merci. Ça ira plus vite. Ensuite, le Aqualie holographique. Très sympa aussi. Alors, avec une attaque au croupi, je sais pas si vous connaissez. Et spirale épuisante. Et on termine par le dernier, celui qui a l'origine de toutes les évolutions. Le petit Evoli, avec le fond... Qui ressemble à n'importe quoi. Oui, à n'importe quoi. C'est très contemporain. Je me demande qui c'est qui a fait les illustrations des cartes. Il n'a pas écrit son nom par hasard là en bas, tu vois? The Pokémon Company. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Bon allez, on va passer... C'est la BW94. On va passer au Booster Turtank. Tu te calmes et tu me rends tout de suite mon Xerneas. Mais bon, allez. En plus je le sens bien le Booster Xerneas. Ah, moi, je sais pas du tout. Bah, en deux boosters, la pioche risque de pas être terrible. On sait pas si la pioche est aussi excellente dans les coffrets que les tripacks. Mais c'est vrai que dans l'autre coffret, j'avais eu une superbe full art. Et que je n'ai pas, en plus. Comme par hasard, la full art que je souhaitais avoir. Il faut le stipuler aussi. Hein? Oui. Mais c'est vrai qu'il me manquait seulement 3 full art et maintenant il m'en manque plus que 2. Il me manque presque plus rien, je pense que t'as déjà tout complété dans la série. Non, il me manque 3 full art, je sais plus. Mais c'est tout après. Alors, Monorpal. Un flamme à joues. Cabriolaine. Dans sa prairie. Non, ça suffit. Kenotor. Un pitrouille. Missiole. Un Solarok. On commence à les connaître par cœur, les illustrations. Brésillon, c'est vrai. On est bien habitué. Un Missiole en reverse, c'est une peu commune. Tu l'avais en reverse? Je sais pas, mais je suis pas très fan de les illustrations. Ouais, moi non plus. Et Sepiatros en rare. Lui, il revient très souvent. Lui, je le reconnais. On a l'habitude de le voir, effectivement. Et on passe au dernier booster, donc le Mega Turtank. C'est notre booster préféré de la série XY, donc avec un peu de chance, on va peut-être avoir une bonne pioche à l'intérieur. Bah, j'espère. Une petite holo, au moins. Ça ferait plaisir. Ouais, ce serait sympathique. Et une holo que je n'ai pas de préférence. Il t'en manque plus beaucoup d'ailleurs des holos, je pense. Il me manque low class, branchitrouille et exagite. C'est déjà pas mal. Coquillas, passe rouge, un abo, flotte à joues, un abo, un abonné. Ça va. Pourquoi tu penses à des abonnés par rapport à un abo? Je pensais à un abo, ça se dit fréquemment. Oh, ça va, je peux blaguer quand même. Un rhinocorne. Carton rouge, tu vois, arrête-toi là. Ça a tout dit, je pense. Tu n'es pas quelqu'un de très aimable, tu sais. Oui, carton rouge. Je suis gentil avec ma chérie. Bande aux muscles. Un Dodrio. J'aime beaucoup le Dodrio. J'avais l'impression que c'était une rare, mais limite, ça aurait pu être une rare. Un rondoudou en reverse. Et... un Elédel en rare. Donc, bon, pas une ouverture très fructueuse. Pas terrible la pioche, effectivement. Ouais. Mais bon, on peut pas avoir de la chance à chaque fois. C'est sûr, je viens d'avoir une foulard, donc... Après, je te propose de leur montrer la carte en foulard que t'as eue dans le précédent coffret, quand même, qui se rince les yeux. Voilà, hein, on est d'accord. Hein, voilà, elle est vraiment super jolie. Yveltal ex foulard. Ouais. Je pense quand même que t'as été gâtée. Hein. Une foulard en 2 boosters dans le précédent coffret, c'est pas mal. Je pense, oui. J'ai plutôt été gâtée, j'ai tiré le bon coffret, on va dire. Voilà pour cette ouverture, j'espère que vous aurez apprécié autant que nous. En tout cas, nous, on a bien profité, on s'est bien amusé, et puis c'est un petit coffret. Après, il faut dire que les ouvertures de coffrets sont parfois pas toujours faciles à faire. Hein. C'est pas évident, puisque ça prend tellement de place que c'est pas évident à ouvrir, ouais, je pense. On n'a pas un champ non plus très étendu. Mais on voilà. Espère que ça vous aura fait plaisir, quand même. Oh, je pense, oui. Bon,
Allez, on vous laisse et puis on vous fait de gros bisous. À la semaine prochaine. Salut tout le monde.